Audrey du Cégep Maisonneuve. Puis moi, je m'appelle Vassil, du Cégep de Maisonneuve aussi. Toutes les élèves du programme de sciences humaines et hors lettres ont été interpellées pour participer à une séance d'information concernant l'échange étudiant avec le campus de Ville-la-Madeleine. Puis je pense que ça nous a tout de suite intéressés, attirés. Le projet, On avait chacun, je pense, des objectifs personnels en participant à cette activité. Tu sais, par exemple, moi, je voulais voir de quoi ça avait l'air, les îles. Je n'étais jamais allé, mais j'habite au Québec et j'avais souvent entendu parler de la région. Donc moi, j'ai de la famille aux îles, j'étais déjà venue. Donc, j'ai décidé de partir comme ça pour prendre l'air aussi, mais je n'avais pas trop réfléchi. Je trouvais que c'était une belle expérience à vivre dans la tranche. Ouais, savoir devenir autonome, de gérer son budget, gérer ses commissions, aller à l'école, faire ses devoirs aussi. Pendant qu'on n'est pas trop installé dans la vie, qu'on a le temps. On n'a pas de maison à payer si on a de l'argent. On s'était fait dire que l'hiver aux îles, bon, il n'y avait pas grand chose à faire, qu'on allait pouvoir se concentrer dans nos études et que ça allait être à peu près tout, mais oui, on s'est rendu compte vite en arrivant, je pense que c'est pas parce qu'on est en région qu'il n'y a pas de choses à faire, qu'il n'y a pas de bord pour sortir. Ouais. Puis... Je m'étais même fait dire une fois en gazant, il y a du monde dans son ici, que je vais essayer une mauvaise saison pour venir aux îles, il va avoir rien à faire, il n'y a pas beaucoup de monde. Ben, tu sais, on n'était pas pessimiste à ça. On a même fait, on va instaurer de la joie, puis on va se débrouiller. Puis en arrivant aux îles, après tout le trajet, le bateau avait d'accoster. On était un petit peu inquiet de est-ce qu'on arrive, est-ce que quelqu'un va nous accueillir, est-ce qu'on sait où est-ce qu'on va s'installer, est-ce que le monde sait qu'on est là. Et on a été chaleureusement accueillis avec des pancartes, des ballons, bienvenue Audrey et Vassil. Mais concernant le cégep, on a trouvé beaucoup de ressemblances. Les cours, ça, la même matière qui s'offre, c'est uniformisé dans le sens tu s'en vas de Maisonneuve, tu arrives aux îles, puis c'est la même. C'est une continuité de notre programme, il n'y a pas eu de gros changements. Oui, puis si on reste dans le cégep, la vie étudiante est offerte à nous. Il y a quand même beaucoup d'étudiants comparés à la population, puis vu que tout le monde a grandi ensemble, ils sont quand même proches, puis ils s'impliquent beaucoup dans les activités. Tu sais, il y en a un qui embarque, mais tout le monde embarque, puis c'est fun parce que les activités sont réussies grâce à ça. Ils sont rassemblants aussi. Oui, beaucoup aussi. Je participe beaucoup plus aux activités du cégep ici que dans Maisonneuve, on en entend moins parler. Ouais, puis c'est moins difficile. Mais je pense qu'on a été surpris parce que malgré que le cégep est assez petit, il y a vraiment les installations, toutes les installations qu'on a besoin, les labos informatiques, il y a un gym qui est très bien équipé. J'étais assez surpris aussi parce que je me disais, le cégep ne doit pas être assez gros, il ne doit pas avoir beaucoup d'installations athlétiques, mais non, c'est vraiment un beau gym. Ah, puis il y a aussi des laboratoires informatiques, laboratoires de biologie, de chimie. L'accès à Internet est d'ailleurs pas mal plus rapide qu'à Maisonneuve. Ouais, la réussite des élèves tient beaucoup à cœur des professeurs. Mais pas juste les profs, tout le personnel de l'école, comme la cafétéria, les cuisinières qui sont toujours souriantes, qui font de la bouffe maison. C'est spécial. Ouais, puis même si tu sors du contexte de l'école, tu vas à l'épicerie, puis le monde, tes voisins, ils veulent te jaser, puis le monde prend le temps ici de savoir comment tu vas, puis d'avoir des nouvelles, puis de te parler de leur vie. Puis il y a aussi une culture assez différente, puis tu sais, le monde ici se font vraiment confiance, puis je veux dire, on laisse la maison débarrer à journée longue, puis. Les portes de voiture. Tu peux quasiment laisser ta clé dans ton auto, déjà prêt à partir. À l'école aussi, ça nous a beaucoup surpris qu'il n'y avait pas de personne qui ait de cadenas sur leur casier. Ouais. Même si chacun a son casier à lui. Tu vois pas ça partout. Puis quand on s'est installé chez Nadine, on s'est demandé mais comment ça va fonctionner avec la porte. Est-ce qu'on a chacun une clé? Puis un matin, je pense qu'on est arrivé pour la voir. On lui a demandé est-ce que tu vas nous fournir des clés bientôt? C'était quand même la deuxième journée. On voulait sortir de la maison, fait que là on se dit on n'a pas la clé. Attends, non.
On n'a pas de clé, la porte est jamais barrée. Ouais, puis okay. Même les îles, c'est le même. Tu vas aller chez ton voisin, tu cognes, tu rentres, tu dis allô, puis tout le monde fait comme chez soi. Ben en fait, je dirais pas mal, tu sais, si tu veux t'avancer dans quelque chose de différent, puis tu veux devenir plus autonome, tu vas en apprendre sur toi, ben lance-toi, c'est une belle chance. C'est une belle expérience qui m'a permis de découvrir quelque chose de nouveau, mais aussi de me découvrir.